quel va être notre arme bonus? Au revoir. Bonjour, bonjour, petite caverne. Oh, bah elle est toute petite. Frost Fury Archer. Ouais, ça se transforme en eau quand même. C'est un peu chiant. Il me faudrait du Silk Touch. Pop, pop, pop. Strength. Frozen Rage. Ah oui, on a du Slowness. Ça aurait pu être intéressant. On le fera dès qu'on aura le... Ah ouais, il y a du fer partout. J'aimerais bien, et je crois que j'en ai un. Ouais. On va peut-être revenir à la base, justement. On a peut-être un petit peu de charcoal, pourquoi pas. C'est gratuit. Je voudrais prendre. Bah, déjà, on va aller voir pour les bottines. Bonjour, Claire Creeper. Pour les bottines. Et mettre Silk Touch sur ma pioche. Ah bah j'ai plus... Pourquoi j'ai plus le speed? Ah oui, c'est l'épée qui donne le speed. Oui, c'est tellement fat ça. Alors, où est-ce qu'il est le TP? Et on va voir pour ses bottines. C'est là, je crois. Yes, je commence à connaître cette map. C'est par là. Donc normalement, on m'a dit que j'avais, si je dis pas de bêtises, où sont mes armures. Jump boost 3. Plus 8% speed. Au lieu de jump boost 4. C'est pas mal. Après, bon, il y a non-break et c'est que jump boost 3, donc c'est pas non plus ouf ici. Par contre, on pourrait les pousser un peu plus. Je pensais que c'était en diam, c'est pour ça que je suis un peu déçu. Un petit boost 15, seal touch, s'il vous plaît. Fire aspect. Ah, seal touch. Est-ce que j'ai pas des diamants? Il me semblait que j'avais des diamants. Non, pas de diamants, pas de pioche en diams non plus. Telles différences between 6 and 4. Ah oui, elle a efficiency 6 celle-là. Puis on peut la réparer, je pense. Ok, bah on va faire ça. Hop, hop. Non. Un level. Wow. Ah merde, ça fonctionne pas. À cause du fortune. Oh ta mère. Bon bah tant pis. On peut peut-être se faire une pioche standard. Hein. On va réparer celle-là. Petite unbreak 3, on va la réparer. Ouais. C'est juste pour l'histoire des glaces et des spawners. C'est particulièrement chiant et ça peut poser problème. Voilà, l'XP non est un problème. Touk. Du coup, on va prendre celle-là. Celle-là, on va la laisser dedans. Neutre. Under chest. Et on va poser les bottines. J'en avais pas d'autres, hein. Après c'est Depth Rider. Classico. Ok. C'est mieux celui-là. Allez, retournons là-bas. Intersection 3. Ouais. Ouf, j'ai cru que j'avais appuyé dessus, mais non. C'était là-bas, Winter's End. Je peux pas marcher sur ces patates là. Et on est reparti. J'ai plus de speed là-dessus, non.
D'ailleurs, la freezing area. Ah oui, on m'a conseillé, c'est ça, dans un des archives, des trucs à améliorer. C'était les flèches. Pas un truc en haut de ce machin. Les flèches qui je sais pas, le tuer les gens sur la trajectoire du truc. Mais j'utilise peu les flèches, donc je sais pas si c'est un gros intérêt. Mais à voir. Hop! Grimpons! Oh! Une émeraude. Je l'ai vu! Ça nous fait un bloc en plus. Tant si je l'avais vu juste avant, ça nous aurait évité en aller-retour pour rien. Wow! La knockback combien là, la petite là? Wow! Allez, doucement les frérots là. Non. You are not mad. You shall not maditude. Mais parfois il knockback pas. Voilà, c'est quand même mieux avec Silk Touch. Ah ok, ça donne un petit coup de slow quand ça te touche. Pam 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 pam. Sentais qu'il y avait des choses qui sortaient. C'est bon, j'ai mon émeraude. Le reste, on s'en fout. Bon, du coup, on en a 9. On va pas y aller maintenant. Hein. J'ai beaucoup de charbon, pas tant que ça. Ah, et puis j'ai pas la pioche avec fortune. Pas marre de tomber ces araignées là? Continuons. Alors, on peut soit monter, soit aller dans ce petit refuge. On va aller dans ce petit refuge. Où est le spawner? Elles sont résistantes, hein? Oh! Casse-toi! C'est horrible avec le slow, ça zoom. Moi aussi je peux te knockback. Moi aussi je sais faire. Bon, y'a quoi de caché là-dedans? Oh! On doit summon notre ami le Dayrun. Putain, ça va être trop swag, je sens. Hop. Donc on a le premier scroll. Ok. Bande de coquinous. Donc on doit invoquer notre ami le démon. Ça transforme le truc en eau. Au-dessus. RTS Tetris, bon, continuons, grimpons. Grimpons vers l'infini. Oh, il a spawné devant moi. Wow. T'es sérieux? Tu me l'as poussé, toi, ou quoi? Ah non, c'est lui qui me l'a poussé. Frozen Crown. What? Ça me plaît ça. Alors. Protection 3, unbreak 3. Peut-être se casser de là. Évidemment, j'ai touché l'Enderman. C'est moi, il y avait un truc vert. Cassons-nous de là. Ah non, c'est là-bas le truc vert. Par toutes ces conneries. Est-ce que je peux avoir un petit coin tranquille? Merci. Show all enemies that come
to you. Ah non, slow. Ok, protection 3. Ouais, mais j'ai turn 4 là-dessus. Pas mal quand même. Et c'est un legendary. Ah non, item, pas un 7. C'est dommage. J'aurais bien un 7. Ceci dit, il est pas mal, on va le garder. En plus, c'est du diams. On peut peut-être être full diams. Peut-être adieu le jump boost, mais dans ce cas-là, on mettra les bottines qui nous donnent jump boost. Et ça peut être intéressant pour le reste si j'ai un set complet. Excusez-moi, je passe, hein. Il kiffe les creepers chargés, hein. Ouais, c'est vraiment son grand dada. Infinity, ouais, pourquoi pas si on perd notre truc. Des blocs. Ouh, sharpness 7. Seulement. On a dit knockback résistance, fortune, potion de speed. Qui sert à rien, j'ai déjà speed en permanence. Rien dans ces coffres. Nope. Bon, ce coin-là c'est fait. Putain, c'est chiant le slow. Bonjour messieurs. Fiesta partie ou quoi? On peut continuer à monter là, mais là, je sens qu'il y a un petit truc qui se cache par ici. Pas du tout! C'est juste la vallée. Dans la vallée. Oh! Bon, ça fait un gros trou, c'est pas plus mal. Y a le deuxième scroll là-bas. Apparemment, je dirais que le deuxième scroll est là. Oui, oh, qui te calme là. Ouais, ils font spawner des Endermen, ces petits coquinous. Moi aussi, je peux te buter, regarde, je vous bute. Je te baisse, bleu! Prendre le scroll numéro 2. Donc, scroll 1, scroll 2. Pas besoin de scroller. Wow! Oh, nice! Oh, c'est joli là-haut, ça me plaît. Et on commence à grimper, ça a l'air vraiment joli. Beaucoup de mobs dans ce... Oh non, 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 pas les witch. Non. Creeper chargé, je m'en fous, mais alors la witch. Bon, si je dis creeper chargé, on s'en fout pas tant que ça. En face. Ah, il neige et tout, c'est beau. Beau la technologie. Rien à voir. D'où est-ce qu'il est sorti de là? T'es perdu, mon frérot? On a plus de torches, faut que je refasse. On va en faire pas mal en stock, comme ça on est tranquille, comme ça on grille ça.
Et ça. Voilà. Tu. Ah bah le téléporteur, checkpoint. Ah bah cool parce que j'ai mon émeraude en plus. On va pouvoir débloquer un bloc et du coup, on va voir qu'est-ce qu'on débloque. Alors qu'est-ce qu'on a acheté? Ça. Hop ça. Et on a un casque bien pété comme il faut. Et le reste, c'est tout bon. Peut-être reprendre du charbon, je sais pas s'il nous en reste, oui. Et le bouquin Infinity. Est-ce que j'ai mis mes autres bouquins d'enchant là? Voilà. Ah la Zemrod! Si, putain, scavenging numéro 2, alors plein de diamants. Mais bon, apparemment, on en aura plein, donc je vais vous faire confiance. Quel va être notre arme bonus? Trijustice, non, non, merci. Bon, sharpness 10, mais bon, c'est pas ouf, hein. On a un sharpness 5, fer aspect 2, avec résistance dans la main. Ah, pas ouf le. Smite 3, elle est peut-être pas trop mal. Contre une sharpness 5, ceci dit. Fire aspect 2, knockback 2. On va l'essayer. On va voir quelle est la différence. Mais surtout, elle a un smite, ça peut être pas mal. Je sais pas, elle peut être cheatée. 5 levels de sharpness en plus par rapport à du diam. Je sais pas si ça se vaut pas. Alors, Divine Shield, on s'en bat les steaks. Healing, on s'en fout aussi. Voilà, bon, Scavenging. On m'a conseillé Arcane Strike niveau 2. Et sinon, le Tainted Hero. Mais le Tainted Hero, je suis pas si fan que ça. On a Vulnerability. Mais je sais pas ce que c'est, Vulnerability. Ça existe pas. Pas, on va peut-être améliorer le. Ouais, mais scavenging. Mais on m'a dit qu'il y avait plein de diamants. Bon, allez hop, va pouvoir Arcane Strike. Poum, poum, poum. Pourquoi j'ai pas de. Qu'est-ce que j'avais ici? Mes steaks. Qui me sert à rien. On va tester un peu la canne à pêche. Le gros avantage, c'est que la canne à pêche ne casse pas. Elle a un unbreak dessus? Non, il n'y a même pas besoin. Unbreakable. On peut faire ça. Ouais, pour les gros fighters PvP hardcore. Hop. Ah, on est quasiment au bout quand même. Winter's Hand. Non, voici ici. Donc, je touchotais à peu près tout. Ouais, je touchote toujours tout. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par l'entrée principale? Ah ouais. Ah ouais, on one shot même quand on a l'effet force. Donc non, elle est meilleure. Ouais, ok. Ok, j'ai rien dit. Punisher. Et en plus on peut ramener les mobs sur nous. Alors par contre la neige ça va vite devenir assez chiant. Je sais pas si je peux pas la virer. Animation, snow, 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 snow. Y'a pas snow? Decreased. Non, option. On n'a pas le weather? Other. Ah ouais, mais ça m'emmerde de l'en. Ah ouais, non, c'est. Oh. On va juste regarder un petit coup. Ok, il y en a qui sont en bas. Oh, le temple avec la petite tête et tout. Ça me fait un peu penser au temple, un truc de l'Atlantide. Il y a la lune là-bas derrière. Ça a franchement de la gueule. Il y a une petite auberge de jeunesse là-haut. On va prendre un petit café. Ok. Video setting, other, weather on. Ouais, c'est quand même l'ambiance plus sympa. Tu-tu-du-pou-du-pou.
Bon, on touche à tout, c'est cool. Bon, c'est cool, on a une arme qui peut pas casser. On a juste pas résistance, on avait résistance avec l'autre, ce qui était pas mal. Casse-toi! You mad, bro? Reviens! C'est excellent. Ah, c'est vrai que j'ai scavenging level. Pas scavenging. Oh, Arcane Strike level 2, ça c'est pas mal. Parce que ça augmente la area autour de moi en fait. Elles sont particulièrement chiantes ces. Putain, vous êtes relous les mecs! Bon, donne-moi ça. Voilà, trouvé. Putain, j'ai pris cher! Ah, c'est pas mal d'avoir résistance quand même. C'est l'autre qui m'a mis chéros. Bon, j'ai envie d'aller voir l'auberge de jeunesse là-haut. Je sais pas si c'est par là qu'on y va, mais. Jumboost nous aidera.